Bonjour, donc aujourd'hui on va regarder un petit peu les manipulations qu'on fait de base en microbiologie. Donc d'abord, il faut comprendre que le principe de la microbiologie, ben, c'est souvent de savoir est-ce qu'il y a des bactéries ou pas à un endroit. Mais bon, les bactéries, c'est vraiment des organismes qui sont très 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 petits. Il faut les observer au microscope en fait pour pouvoir les voir. Donc, si je veux savoir, par exemple, s'il y a des bactéries sur ma table ici, ben, je ne peux pas le savoir, je ne les vois pas. Pour pouvoir observer les bactéries, on va en fait les faire pousser. On va les cultiver sur un milieu de culture. Milieu de culture qu'on retrouve le plus souvent comme ça, qu'on appelle des géloses. Il y en a de plusieurs types, vous voyez ici, là, qui ont des couleurs différentes. C'est simplement, finalement, qu'ils ont des ingrédients différents qui vont faire en sorte que certaines bactéries vont pousser, d'autres pas, ou certaines vont faire changer le milieu de couleur selon les ingrédients, etc. Donc, c'est pour ça qu'on a plusieurs choix. Celle-ci va faire pousser à peu près tout. Donc, quand on veut avoir une idée de la charge microbienne qui a un endroit précis, c'est celle-là qu'on va utiliser de base. La gélose, elle est, dans le fond, dans un plat de pétri. Fait que vous avez un fond qui contient le milieu en tant que tel, qui est un peu comme un gélo. Et vous avez un couvercle qui vient se placer par-dessus. La première étape, ça va être l'identification des géloses, qui va toujours se faire sur le fond de la gélose, du pétri. Parce que des couvercles, ça peut s'interchanger, ça peut bouger, tandis que sur le fond, ben, on est sûr que notre milieu de culture va toujours rester là. Pour identifier, on utilise un crayon feutre et on indique les informations, ben, évidemment, qu'est-ce que je mets sur ma gélose, c'est quel type de prélèvement, nos initiales et la date et l'heure du laboratoire ou la date en général, juste pour savoir qu'est-ce qu'il y a sur ma gélose, quand est-ce que j'ai fait le prélèvement. Donc, on essaie aussi toujours de faire ça sur le pourtour de la gélose, tout simplement parce que quand on va faire l'observation après l'incubation, ben, si j'ai plein d'écritures en plein milieu de ma gélose, ça va rendre l'observation plus difficile. En fait, juste pour compléter côté cultiver les bactéries, il faut savoir que ce qu'on va observer suite à une incubation, c'est pas nécessairement une bactérie, ça va être une bactérie qui s'est développée, tellement que là, on va voir ce qu'on appelle une colonie. Donc, c'est un ensemble de clones, si on veut, d'une bactérie qui a été déposée au départ à un endroit. Donc, ça va faire des petites taches sur la gélose qu'on appelle des colonies. Donc, première étape, l'identification, c'est fait. En microbio, on travaille toujours aussi avec les cheveux attachés. On va nettoyer la table, nettoyer les mains. Le but, c'est qu'il faut toujours garder en tête, finalement, que ce qu'on veut sur notre gélose, c'est les bactéries de l'endroit qu'on veut prélever et non de partout ailleurs. Il faut garder en tête qu'il y a des bactéries, il y en a partout. Il y en a dans l'air, il y en a quand je parle, j'en ai sur mes mains. Donc, même si je fais le nettoyage, j'en enlève une couche, mais il faut toujours considérer que tout est contaminé. C'est pour ça qu'on va travailler dans un champ stérile. Parce que, dans le fond, ma gélose, en ce moment, elle est fermée, mais elle est stérile. Si je l'ouvre à l'air libre, elle ne sera plus considérée comme stérile parce qu'il y a peut-être une bactérie de l'air qui va s'y être déposée. Pour créer notre champ stérile, on utilise un brûleur. Donc, le principe est très simple. Ça va créer une flamme qui fait en sorte que l'air chaud va monter et redescendre un petit peu plus loin. Donc, tout ce que ça fait, ça empêche les bactéries, s'il y en avait une qui se promenait, là, puis pouf, elle va être repoussée un petit peu plus loin. Donc, c'est simplement ce que ça fait, ça empêche ou en tout cas, ça prévient l'introduction de nouveaux micro-organismes dans mon champ stérile. Il faut quand même prendre des précautions pour bien travailler, parce que si je me mets le doigt dans ma gélose, je vais la contaminer même si je suis dans le champ stérile. On a un briquet. On a une valve de gaz, donc dès que j'ouvre la valve, le gaz sort, j'allume mon brûleur comme ça ici.
On va considérer qu'on a une zone d'à peu près 30 à 40 cm autour du brûleur dans lequel on est dans le champ stérile. Si on est trop loin, ben il faut se rappeler que l'air, il redescend. Là. Fait que si ça se trouve, on a plus de chances de contaminer si on est trop loin du brûleur. Il faut vraiment rester dans la zone. Je vais simuler un prélèvement sur la table. Je dévisse ici le Dettol qu'on appelle, qui est un désinfectant. Donc, c'est comme notre poubelle. Tout ce qu'on va prendre comme prélèvement, si jamais il y en avait un qui était très contaminé, ben on va déposer ça là-dedans, ça va tuer les micro-organismes. Pour faire les prélèvements, on utilise un écouvillon, qui est un genre de grand coton-tige, finalement. Il est stérile en ce moment, c'est pour ça qu'ils sont enveloppés individuellement. Donc, pour l'ouvrir, je l'ouvre dans mon champ stérile. Et on va utiliser le pouce et l'index de notre main avec laquelle on travaille d'habitude, en prenant soin de ne pas toucher ici avec nos mains. Simplement que parce que quand je vais sortir l'écouvillon, si j'ai touché ici, bien, la pointe de l'écouvillon va toucher elle aussi. Et donc, même si mes mains sont propres, contiennent possiblement encore des bactéries, je vais contaminer mon écouvillon. Donc, bien important d'y aller seulement avec le pouce et l'index sans toucher le papier. Je me débarrasse de mon papier, je me garde mon autre main libre pour venir saisir ce tube-là, qui est en fait de l'eau physiologique stérile, NaCl.85%. Tout ce que ça fait, ça, c'est que ça nous permet d'humidifier notre écouvillon dans le cas où on va prélever une surface qui est sèche, par exemple la table. Parce que ça, ben, c'est sec. Donc, si je vais sec contre sec, ça ne colle pas vraiment, je ne vais pas vraiment prélever les bactéries. Alors que si c'est humide, ben là, ça va mieux coller. Quand c'est des prélèvements qui sont déjà humides, prélevés de l'eau ou dans la gorge, à ce moment-là, on n'est pas obligé d'humidifier avant. Donc, je prends mon tube par la base avec mon autre main et je vais utiliser mes petits doigts ici pour venir saisir le bouchon. Je vais rapidement passer sous la flamme. Encore une fois, une précaution concernant les bactéries qui pourraient s'introduire dans mon tube. L'air chaud va sortir, puis si j'en avais sur le bord du tube, ben elles vont être détruites. Donc, je passe rapidement sous la flamme et je vais venir tremper mon écouvillon dans le tube. Il faut se rappeler, par contre, le tube à l'extérieur, il n'est pas stérile. Je l'ai manipulé. Donc, si j'accroche l'extérieur, j'ai de la misère à rentrer parce que je tremble trop, ben il faut recommencer avec un écouvillon stérile. Il faut vraiment essayer de tremper sans toucher l'extérieur du tube et j'éponge un peu comme ça ici à l'intérieur. Avant de remettre le bouchon, je reflamme. Donc, on flamme avant et après. On s'assure de garder ça stérile pour toutes les manipulations. Donc, le prélèvement. Un prélèvement, ben, ça le dit, on veut prélever les bactéries. Donc, si j'en ai sur ma table, je veux m'assurer qu'ils sont toutes sur mon écouvillon. Donc, je vais prendre une bonne zone qui est représentative, je vais frotter l'écouvillon dessus, je vais tourner aussi mon écouvillon pour qu'il y en ait partout, et je vais ensuite pouvoir faire mon ensemencement. Il faut garder en tête que le prélèvement ne peut pas toujours être fait en champ stérile. Une infirmière qui vous fait un prélèvement n'est pas à côté d'un brûleur, c'est pas toujours possible. On essaye par contre, si c'est pas à côté d'un brûleur, ben de minimiser au maximum les risques de contamination si on a à se déplacer. Dans tous les cas, si on s'est déplacé loin du brûleur pour le prélèvement, on doit revenir faire l'ensemencement sur la gélose. Encore une fois, on travaille en prenant les précautions, donc je vais laisser mon couvercle juste un peu plus loin pour pas l'accrocher et le contaminer. Et pour faire l'ensemencement, je vais partir du haut de la gélose et je vais faire des stries très serrées, comme si je voulais peinturer au complet ma gélose. Puis en faisant ça, je tourne aussi mon écouvillon, le but étant de mettre toutes les possibles micro-organismes que j'ai sur mon écouvillon sur ma gélose. Donc ça, ça se fait en un seul trait. On part de haut en bas des stries très serrées. Prélèvement, lui, on peut y aller dans tous les sens, ça n'a pas d'importance. Comme je vous disais, on met tous nos écouvillons contaminés dans le Dettol. Donc, une fois que c'est fait, ben, on peut accumuler toutes nos géloses. On est prêt à passer à l'incubation.
C'est pas compliqué, dans le fond, l'incubation, c'est simplement de les mettre à une température qui va favoriser leur développement aux bactéries. Pour la majorité des bactéries, 35 à 37 degrés, 24 à 48 heures sont pas malheureuses d'habitude, c'est assez pour développer des colonies s'il y avait effectivement des bactéries. Je vais donc mettre les geloses à l'incubation, toujours le fond vers le haut. Tout simplement parce que ça chauffe justement, ça forme de la condensation. Donc s'il y a condensation, ça va tomber dans le couvercle plutôt que si ça monte dans le couvercle et que ça retombe dans ma gélose, eh bien là, ça pourrait faire en sorte que mes colonies vont être un peu diluées. Là, les résultats vont être plus durs à observer. Donc, je vais porter mes géloses à l'incubation et après l'incubation, on peut en faire l'observation sur la gélose. Donc voilà, c'est ce qui met fin à l'aperçu des manipulations de base qu'on fait en microbiologie.